fille. Alors, ben voilà, en fait, me voilà plus tôt que prévu, hein. Je vous avais dit que les vidéos ce serait pas pour tout de suite. Et puis, ben en fait, il s'est avéré que ce soir, j'ai eu une petite pensée pour la personne dont je vous ai parlé, hein, qui est décédée. Et bizarrement, j'ai trouvé de l'inspiration pour faire cette toile. Je sais pas, j'ai pensé à plein de choses et je me demandais à l'heure actuelle où est-ce qu'elle devait être. Et je me suis imaginé un petit peu dans ma tête un peu farfelue l'endroit où elle pourrait se situer maintenant. Et en fait, c'est de ça que m'est venue cette toile. En fait, je l'ai imaginée dans un. Je peux pas vous expliquer, je me disais. Ça se trouve, aller dans un petit truc avec plein de fleurs, enfin dans un monde avec plein de fleurs, plein de papillons, plein de. Vous savez, les choses qu'on voit un petit peu à la télé. Hein. De toute façon, il vaut mieux voir les personnes qui sont parties dans ce genre de contexte. Et moi, j'adore le monde féerique et du coup, bah, ça m'a donné envie de faire quelque chose sur ce thème. Du coup, je m'y suis mis. J'ai trouvé l'inspiration. J'ai sauté sur l'occasion et je m'y suis mis, voilà. Et donc pour la parenthèse, la petite fée que vous allez voir donc sur la vidéo un peu plus tard, je l'ai réalisée en pâte Fimo. Sauf que en fait je l'avais réalisée hors caméra parce que j'ai commencé, c'est là que en fait quand ça m'est venu, j'ai commencé à faire ça et puis je me suis dit bah mince, c'est dommage, je serais aussi bien de faire une petite vidéo pour les filles, pour les filles et les garçons, hein, parce que je sais qu'il y a des garçons qui regardent, pour leur montrer que je pense à eux, que voilà, je me suis mis au travail et je me suis dit, si je me mets au travail, c'est autant de filmer ce que je fais, comme ça va faire plaisir peut-être à certaines ou à certains. Donc voilà, je vais pas vous parler toute la vidéo, là c'est juste un petit interlude, on va dire, pour vous présenter un petit peu ce que vous allez voir. Donc, comme je vous disais, la petite fée est réalisée en pâte Fimo. J'ai fait les fleurs également moi-même, en papier. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, les ailes, c'est une feuille transparente, plastifiée transparente, que j'ai utilisée. En fait, ça va aller assez vite sur la vidéo, donc vous n'allez peut-être pas pouvoir voir exactement, mais vous verrez les photos à la fin. En fait, les ailes, je me suis juste servi de mon pistolet à colle et donc de la colle chaude pour donner du relief aux ailes et des petits motifs. Comme je vous disais, ça vous le verrez plus tard à la fin de la vidéo dans les photos. Je crois que j'ai rien d'autre à préciser. Hein. Non, je pense que c'est bon. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais pensé à vous en faisant ce petit truc, ce petit tableau et que j'ai jugé nécessaire de vous laisser un petit mot avant de vous laisser regarder tranquillement cette vidéo. Voilà, pour vous dire que je pense à vous. Donc moi, je vous laisse finir de regarder cette vidéo. En attendant, je vous fais des gros gros bisous. Je pense bien fort à vous. Et puis, je tenais à vous remercier tous autant que vous êtes pour les dizaines de messages que j'ai reçus suite à ma vidéo. Je vous disais pourquoi j'étais un peu absente. Ça m'a vraiment touchée de voir l'élan de solidarité qu'il y a eu envers moi face à cette situation. Voilà, je tenais vraiment à vous dire que ça m'a fait vraiment chaud au cœur de pouvoir recevoir des commentaires aussi chaleureux et qui m'ont donné plein plein de force et qui m'ont redonné le sourire en toute franchise. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, hein, je vous fais des milliers de bisous, et puis je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous, bye bye.